Bonjour chers téléspectateurs et merci de nous faire confiance une fois de plus après 5 semaines d'arrêt pour des raisons de couverture de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On y était, on vous a fait passer ces bons moments sur cette antenne. C'est la saison 2 de votre programme H-Foot qui démarre. Mais avant tout, on va prendre le sommet qui est signé par Esther Bébé. Bonjour chers téléspectateurs, au menu de cette édition de H-Foot, Mercato, Zambo, Anguissa, Clinton J, Sébastien Bassong change de club. Et puis Feka Foot, LFPC, le torchon brûle, le général Semenge a quitté la salle des travaux. Pendant ce temps, l'honorable Joshua aussi choisit le Parlement au détriment de son poste de deuxième vice-président. Cannes 2021, l'Algérie met la pression sur le Cameroun. J'ai été consulté par la CAF, déclaration de Raouf Bernaoui. Coupe africaine UMS, De Loom et Star de Renard s'activent à quelques jours du tour préliminaire. Ils auront pour adversaires Darema Motema, Pembe et AS Vita Club, Charlemagne Bongo et Bertin Ebouele à la baguette. Bonne dégustation si vous êtes à table et à samedi prochain. Pour cette saison 2, vous l'avez constaté, à chaque fois on a tourné avec un centre de formation. Ce sont nos amis des Best Talents qui sont là ce matin pour nous accompagner. Ce centre de formation qui a été officialisé depuis quelques jours après l'Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football. Ils sont là comme dans un stade de football. Mais avant de commencer, comment on va faire honneur à ce centre de formation? Est-ce que vous pouvez faire le bruit pour vous les gars? Voilà qui est bien dit. Si on a convenance de cela, le panel est déjà constitué. Ce sont les habitués. Ce sont des gens que vous avez l'habitude peut-être de voir sur le petit écran ou encore d'observer sur la scène sportive. On va commencer par celui-là qui est pratiquement à la une ces derniers moments. C'est un écrivain. Il s'agit de Monsieur Valentin Atéba Abeng. Il a enchaîné sur ces 3 derniers mois au moins 2 livres, bibliographie ou encore des essais. Il va nous expliquer lui-même. Bien le bonjour et bienvenue Valentin Atéba. Bonjour et bienvenue à tout le monde, à tous les panélistes et à Best Talent. Je salue tous les téléspectateurs de cette chaîne de télévision. H-TV, voilà. Surtout H-Foot. Merci beaucoup. Donc, et merci de m'avoir invité. Et bonjour et à tous les panélistes. Au président Pascal Attarna qui... Ah, c'est moi qui présente le panel, hein. Vous avez déjà présenté le panel parce qu'il y a toujours une girl star, un invité VIP. Okay, bon. On a gardé peut-être le meilleur pour la fin. Je m'en excuse. Mais on va quand même vous concéder cela. Je m'en excuse. Ok. Valentin Atéba entre les mains, on a ce bouquin. Vous allez nous expliquer quel est le genre que vous avez choisi. Sur le terrain escapé du football joué par les femmes, thérapie d'un décollage définitif. On a oublié de présenter que vous avez fait partie de la commission de football féminin pendant au moins 26 mois du côté de la fédération. C'est quel genre? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Oui, c'est un essai. C'est un essai, on va dire un essai sportif. C'est un essai qui parle de l'évolution, des problèmes et des solutions au football féminin. Est-ce qu'on dira que d'une façon globale, c'est la manière comme vous avez vécu à l'intérieur, ce que vous avez vu, c'est ce que vous êtes en train de transposer? Évidemment, évidemment, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. On parle de ce qu'on connaît, on parle de ce qu'on a vécu. Avant d'être rapporteur pendant les 2 ans, j'ai été simple membre de la commission nationale. Membre de la commission nationale depuis 2012. Et j'ai été président de la Ligue départementale de football d'Union Infoumou, où j'ai animé aussi cette activité de football féminin, entre autres. Qu'est-ce que vous proposez?
Bon, ben, nous proposons beaucoup de choses. Nous proposons une vision stratégique qui permet de développer le football féminin. Cette vision stratégique se décline en objectifs. En objectifs, et il y a un ensemble de missions stratégiques qui permettent à ce que le football féminin puisse se développer. Est-ce que vous êtes rapproché des dirigeants de la fédération? Est-ce que vous avez mis au moins quelques exemples à leur disposition pour qu'ils aillent voir tout le travail qui a été fait? Vous savez, le rôle d'un écrivain, c'est d'écrire, hein, et que les autres puissent s'en approprier. Je ne fais pas un commerce des idées. Il y a une idée, il y a quelque chose qui est proposé, mais que les uns et les autres s'en approprient. Donc, je ne vais pas en même temps écrire, en même temps courir derrière les clubs, en même temps courir derrière la FECAFOOT, en même temps courir derrière la Ligue qui est en gestation. Non, je pense que l'information est quérable. C'est-à-dire que vous allez à la recherche de l'information. Bon, la FECAFOOT a bien les moyens de savoir qu'on vient de publier un ouvrage. Et ils peuvent... On peut le trouver où? On peut le trouver à deux endroits. Premier endroit dans les librairies, deuxième endroit chez l'auteur. Et je suis très bien connu à la FECAFOOT. Donc s'il ne cherche pas, c'est parce que il ne trouve peut-être pas un intérêt. Et on n'écrit pas pour rien. J'ai passé plus de 4 ans à écrire ce livre. Et je pense que ceux qui ont lu, j'ai le feedback, ce livre est digne d'intérêt. Et je pense qu'il faut le lire pour bien comprendre ce qui est là-dedans. Il n'y a pas que ce et livre. C'est le tout premier livre qui parle du football féminin au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait, des documents à l'appui. Il y a Léopold Lacour-Nouvondo, une vie d'ingénieur, 30 ans de génie civil. Oui. Cette bibliographie. Oui, c'est une biographie. C'est la biographie d'un haut cadre de l'administration camerounaise qui a occupé des postes de responsabilité assez élevés. Actuellement, je pense qu'il est conseiller technique dans un ministère de la place. Mais avant cela, il a occupé plusieurs postes très importants. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous sommes dans une société qui est en crise de repères. En crise de repères, et nous sommes aujourd'hui au carrefour des situations. Et les jeunes qui sont là aujourd'hui ont besoin des repères. Et il y a un ensemble de valeurs. Il y a un ensemble de valeurs que nous proposons dans ce livre biographie qui peuvent inspirer la jeune génération. Et ces valeurs peuvent être des valeurs morales, des valeurs professionnelles, des valeurs sociales. Et qui, déjà bien, quand les jeunes pourront s'approprier de ces valeurs, ils pourront savoir que pour travailler, voilà ce qu'il faut faire. Et une biographie, celle-là, c'est peut-être la biographie d'un ingénieur, mais un sportif a besoin de certaines qualités, a besoin de certaines valeurs pour aller plus loin. Et c'est les mêmes valeurs que vous aurez besoin, même si vous êtes ingénieur, même si vous êtes architecte, c'est les mêmes valeurs. Ces valeurs sont lesquelles? Quel qu'en soit le secteur, oui, quel qu'en soit lesquels. Il y a la même discipline. Même si on est pousseur, on peut avoir une histoire. Oui. Le pousseur doit être discipliné, il doit être sérieux, il doit avoir beaucoup de dévouement pour son travail. C'est les mêmes valeurs pour le football, les mêmes. Infiniment merci Valentin Atiba pour cette première prise de parole. On va introduire celui-là qui a cheminé à nos côtés pendant pratiquement 5 semaines du côté du Caire en Égypte. C'est un habitué de ce panel, c'est un des concepteurs de ce programme, le président-manager Adam Poumi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel Fissindjek, bonjour au panel, bonjour à ces jeunes de best talent qui sont les gars, est-ce que vous pouvez faire le bruit pour vous-même parce que ça ne fait pas le rire. Ouais, vous savez, ça fait plaisir comme ça de voir des jeunes qui ont choisi pour métier football. C'est toujours bien de commencer à la base. On le dit toujours, le football jeune, le football à la base, c'est la clé de la réussite. Si un pays veut se développer, elle doit repenser la politique de formation à la base. Je pense qu'en regardant l'exemple de Best Talent, c'est à la jeunesse qu'il faudra se pencher. Ce sont des jeunes. On espère que d'ici 10 ans, on aura des joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale du Cameroun Fagnon. Mais on ne quitte pas, il y a cette affaire qui chauffe du côté de la Confédération. Elle est mise sous administration provisoire du secrétaire ou encore de madame la secrétaire de la FIFA, Fatma Samoura. Est-ce qu'on parle de colonisation? Comment on va qualifier cet état de choses? Est-ce que c'est l'échec de management à la tête de cette Confédération africaine de football? Mais écoutez, Daniel Fistinger, que le président de la Fédération de la Confédération africaine de football, Amad Amad, l'a dit. Il ne l'a pas caché, il a eu trop de problèmes depuis qu'il a pris la tête, les règnes de la CAF. Donc du coup, sur le plan du management, sur le plan financier, il avait trop de problèmes. Vous savez les problèmes qu'il a eu avec son secrétaire général, avec son directeur financier.
financier. Donc du coup, il n'était pas au contrôle total de toutes les activités liées au développement du football au niveau de la CAF. C'est la raison pour laquelle, de commun accord, il a fait appel comme ça à l'assistance de la FIFA, et la FIFA a bien voulu envoyer son secrétaire général Faison de Fatma pour venir être délégué auprès de la CAF pendant une période de 6 mois. Mais il y a Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, qui parle plutôt de colonisation. Mais écoutez, Sepp Blatter, il en va de soi. C'est dit à lui. Mais quand vous écoutez, on était OK, vous avez suivi Ahmad Ahmad personnellement, il a dit, j'ai voulu que la FIFA vienne nous aider à gérer pendant 6 mois pour essayer d'assainir le fonctionnement de la CAF, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait énormément de problèmes. Il y a des gens qui sont restés encore sous la coupe de l'ancien régime, et du coup, un nouveau arrive, il y a des changements, c'est pas facile pour lui. Donc, que les gens arrêtent de dire la CAF est sous normalisation, non, c'est de commun accord. C'est la CAF qui a plutôt demandé assistance à la FIFA de leur envoyer quelqu'un qui allait les aider à gérer à bien pendant 6 mois, ou peut-être pas, peut-être plus, les affaires courantes au niveau de la CAF. Voilà qui est bien dit, installez-vous confortablement, et surtout en espérant que vous êtes tropicalisé après ces 5 semaines passées du côté du Caire. En Égypte, on a cheminé à vos côtés à chaque fois. Merci encore pour le soutien. Il est coordinateur adjoint des sélections nationales. Et au moment où on va dire que Laurent Seedorf n'est plus entraîneur des Lions, on cherche preneur, il y a le Chan qui est en route, il y a plusieurs, les équipes nationales sont sollicitées un peu de partout, les éliminatoires de la CAN U23 et bien d'autres. On a bien voulu qu'il nous dise comment ça fonctionne, mais avant cela, il parlera de toute autre chose. Hervé Tichol nous fait l'amitié ce matin. Bien le bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel Fissindjek, bonjour à vos très nombreux téléspectateurs de votre émission et les abonnés de votre programme. Bonjour au très riche panel, très honoré d'être à côté de mon cher papa, monsieur Pascal Atangana, qu'on a dit que monsieur Ateba a déjà le papy, présenté. C'est ainsi que c'est un papa pour qui j'ai beaucoup de respect et une profonde considération, donc je suis très honoré d'être à côté de lui aujourd'hui. Je salue également les jeunes de l'Académie Best Talent qui sont également l'illustration. Voilà. On le voit cette ferveur en eux, qui sont donc, c'est l'illustration de cette ferveur de ce football jeune qui aujourd'hui pâtit, qui a du mal à démarrer, mais au moins on voit, et je salue l'initiative des encadreurs et des promoteurs de ce genre d'académie. On reviendra tout à l'heure sur, j'ai vu sur votre introduction, on reviendra sur votre conducteur, on reviendra sur le Festitafi. Il y a un certain nombre d'académies comme ça et de promoteurs qui travaillent dans l'ombre souvent. Le tournoi Sémence aussi, Sémence Olympique, qui est effectivement cette imminence de ce football jeune qui vit, qui a du mal certainement à être structuré, mais qui vit. Et voilà, je suis très heureux de partager ces sujets-là avec vous et avec ce très riche panel. En guise de pause actuelle, nous sommes encore en entrée, comme ça on va dire, la finale de la Champions League africaine 2018 ne va plus se jouer, ou encore ne va plus se disputer. Espérance de Tunis va devoir garder le trophée, c'est ainsi qu'en a décidé le tribunal arbitral du sport. On va dire une bonne nouvelle. On a pris acte de la décision du tribunal arbitral du sport, on n'a pas compétence de la contester. Je pense qu'ils ont tenu compte d'un certain nombre de préalables qui les ont amenés à prendre cette décision. Donc, bon, à notre position, acteur du football, on prend acte de cette institution qui est une institution internationale et qui a pris cette décision en tenant compte d'un certain nombre de facteurs. Et puis, bon, bah, on félicite le revainqueur, même si ça s'est fait sur tapis vert. Mais bon, on félicite le vainqueur. C'est le football, c'est le sport. Ça fait partie du règlement. Et puis, bon, il faudra se projeter sur une autre saison en espérant qu'on connaisse moins de goulot d'étranglement, moins d'obstacles, et que bon, ça se. On revient sur le football. Que la prochaine va devoir évidemment bien se disputer. Exactement. Parce qu'on sait que c'est une finale qui s'est achevée en queue de poisson. Avant peut-être de le présenter, on va dire pour ceux qui le connaissent, ça fait une trentaine d'années qu'il donne du sien pour le rayonnement du football jeune. Ça fait peur. Il n'est pas grand par la taille, mais il est grand par les actes. C'est le président Pascal Atangana. Je voudrais d'abord qu'on reparte de l'autre côté de la belle vitrée. Il y a Gabriel Messina qui a suivi cette édition très rehaussée du Tissot Tournoi International Sémence Olympique pour ce qui était de sa phase de 2019. On va prendre le bilan et on va présenter le président Pascal Atangana derrière. Tous les amoureux du ballon rond étaient présents à ce tournoi international de football. C'est tout petit, communément appelé les étoiles ouvrent les hostilités. Le match s'achève par une victoire d'APGES au grand malheur de Sémence Olympique.
La 16e édition se poursuit cette fois chez les Poussins avec Real Foot Academy et APGES, deux équipes qui se sont déjà affrontées plusieurs fois. La partie s'est soldée au tir au but, 16 buts à 6, en faveur de Real Foot. On menait d'abord 1-0. Après, on était mené 3 buts à 1. Et mon capitaine a égalisé. Il était trop heureux. Et mon gardien a pris un pénalty là. Il était trop heureux de lui. C'est pour ça qu'on a dit que la Coupe d'Or rentre à Douala. Chez les Benjamins, même ambiance, c'est toujours le club de Douala, Real Foot Academy, qui remporte la victoire, mais cette fois contre Semence Olympique, sous un score de 2 buts à 1. Merci d'avoir mes encadreurs, d'avoir permis que je découvre le tournoi Sima. Et je dis merci aussi à mes coéquipiers, parce que sans eux, nous ne serons arrivés là. Merci encore. Les Minimes, quant à eux, proposent un match plutôt serré, opposant Bamenda FC à APGES. Un jeu menant jusqu'au tir au but, 3 buts à 1 à l'avantage de APGES FC. La dernière catégorie proposée à l'ordre du jour est celle des cadets. Bamenda FC croise Sahel de Marois. C'est sous le score de 2 buts à 1 en faveur de Sahel de Marois que les deux équipes se séparent. Notre champion de tournoi Semence Olympique. Nous voilà maintenant champion. Nous sommes vraiment fiers, nous sommes vraiment honorés. Nous sommes vraiment contents. À la fin de cette 16e édition du tournoi international Semence Olympique, c'est la joie qui se lit sur les visages de tous les participants, mais aussi des organisateurs. Un organisateur satisfait du jeu sur le terrain qui vous parle. C'est quelqu'un qui croit que le monde est en perpétuelle évolution qui vous parle. C'est quelqu'un qui sait que le football en avenir au Cameroun qui vous parle. Regardez, j'espère que vous avez été très amusé par le jeu des moins de 8 ans où le but venait quand on s'attendait le moins. Déjà dans les gradins, on dit, mais celui-là pouvait jouer la CAN. Donc en fait, c'est la Semence Olympique et elle prépare sûrement une jeunesse footballistique appréciable. Tout a donc été mis en œuvre pour offrir à ces jeunes des vacances bien consommées et surtout utiles. Voilà qui est bien dit. On dira merci à Gabriel Messina qui a suivi de la première à la dernière journée. On vous a dit, il y a l'équipe nationale U17 du Tchad qui était là. Il y a l'équipe nationale du Cameroun qui prépare la prochaine Coupe du Monde du côté du Brésil qui était là. Et il est parmi nous ce matin. On vous a dit, il est grand par l'exact, peut-être petit par la taille. C'est le président Pascal Attana, c'est la girl star de ce matin. Bien bonjour et bienvenue, président Pascal Attana. Bonjour, Idiak Fils. Je suis heureux d'être là, c'est moi qui suis heureux d'être là et puis de partager ces moments avec Best Talent. Vous savez, Best Talent, c'est un centre que je connais bien. Et Best Talent n'a pas voulu affilier des enfants qui avaient dépassé l'âge. Et à certaines catégories, il a préféré sacrifier des enfants pour ne pas venir, pour ne pas tronquer. Lorsque je dis que quand on a... un avenir, le football a un avenir au Cameroun. Je pense à des centres comme Best Talent. Parce que Best Talent, son président, M. Lando Hervé, j'ai un autre Hervé à ma droite, le président Hervé croit que nous pouvons normaliser dès maintenant pour que dans 6-7 ans, nous ayons la fine fleur. Je le remercie parce qu'il a adhéré à la philosophie. Beaucoup de gens aussi ont suivi les résultats. Ce n'est pas les résultats qui importaient, par exemple, la Semence Olympique, c'est l'organisation, c'est la labellisation de notre football par catégorie d'âge, par tranche d'âge. C'est pourquoi, après avoir dit cela, de Best Talent et du tournoi Semence Olympique, je me donne ce grand honneur que vous faites en m'invitant ici. Je regarde la présence de Valentin, qui est un écrivain certes aujourd'hui, mais davantage un acteur de premier plan dans le football féminin, parce que aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin des gens comme lui pour redorer ce football féminin, pas seulement par des écrits, mais même sur le terrain. Oui. Le président Poumier, lui, c'est un vieux de la vieille, parce que on ne devient pas, ce n'est pas l'âge qui fait qu'on arrive en première division, mais c'est parfois des vicissitudes qu'on ne peut pas commenter dans le football. Et lui, il sait que c'est un grand formateur, il croit à son équipe et il a toujours évolué.
mon fils Titol, je lui dis seulement de faire attention, de ne pas trop montrer toutes ces choses, parce que il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Il va vouloir marcher vite. Et... Oui, alors si bien que je crois, et je le remercie personnellement. Je ne sais pas si ce serait un peu gauche, je dis exactement pourquoi. On s'entend. C'est grâce à lui que une partie, il a relevé le niveau du TISO 2019 parce qu'il a pris une décision sur lui. Il s'est engagé, il s'est battu pour que nous arrivions là. Je ne veux pas dire dans quel domaine ou bien où ce qu'il a fait, mais en tant que son père, il m'a soutenu et je le remercie personnellement. Je voudrais que Bestalan nous fasse vraiment un gros applaudissement parce que je suis convaincu que le football... Parce que je suis convaincu que le football a un avenir et des enfants comme cela, nous leur devons. C'est dans votre chute qu'on va peut-être interpeller Valentin Atiba. Il y a encore, on doit encore croire. Lorsqu'on a des promoteurs comme Pascal Attarna, lorsqu'on a des jeunes comme Lando avec ses centres de formation, Poumi et bien d'autres, on doit encore croire aujourd'hui, Valentin Atiba. Oui, il faut croire, hein, il faut croire, mais il ne faut pas tuer l'espoir. Il faut arrêter d'empêcher à ceux qui ont la volonté, à ceux qui ont gardé cet espoir. Il ne faut pas empêcher à ces acteurs-là de faire le travail qui est le leur. Et je pense que c'est très important. Vous ne pouvez pas être dans une activité comme celle-ci et ne pas croire dans cette activité. Je pense qu'il y a, il y a des moyens qu'il faut mettre à leur disposition. Et ces moyens peuvent ne même pas seulement être des moyens matériels et financiers, mais il y a cet environnement. Ils doivent bénéficier d'un environnement sain pour pouvoir mieux faire leur travail. Et quand je parle d'environnement sain, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très profond. On peut vous donner tous les moyens nécessaires. On peut vous donner tout l'accompagnement nécessaire. Mais s'il n'y a pas cet environnement sain, je pense que il y a quelque chose qui pourra vous empêcher de continuer. Il y a donc espoir, autant pour les acteurs directs que sont les joueurs de football, les jeunes doivent espérer. Parce que cet espoir-là peut leur donner les moyens et la force de pouvoir aller plus loin. Et c'est ça le plus important. Donc il faut qu'ils gardent espoir. Et autant les autres acteurs indirects que sont les encadreurs, les formateurs, les administrateurs, nous devons garder espoir parce qu'aucune situation n'est éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Et vous chutez ? Oui, aucune situation n'est éternelle. Et les tribulations... Les goulots d'étranglement qu'il y a aujourd'hui, il y aura une période qui arrive bientôt où tout pourra s'assainir, tout pourra être assaini et on pourra avancer vers des horizons toujours plus meilleurs. Président Adam Poumi, Tissot, tournoi international Semence, on a vu Sahel, on a vu Bamenda FC, on a vu l'équipe nationale du Tchad, l'équipe nationale U17 du Cameroun, les Corinthians même qui étaient annoncés. Les Corinthians n'ont pas pu venir pour des raisons... que nous n'allons pas évoquer ici. Un mot peut-être pour ces promoteurs et surtout ce tournoi Semence Olympique. Mais écoutez, moi je pense qu'il faudrait déjà leur donner tirer un grand coup de chapeau. Moi je suis arrivé dans la scène. Et peut-être il y a la commission, il y a le football jeune. On parle de la commission spécialisée ou encore la ligue, spécialisée. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le lobby. C'est le moment de parler avec affirmation que monsieur comme Pascal Attarna peut diriger une institution comme celle-là. Exactement, il a de l'expérience, il a de l'expertise. Je suis arrivé dans la scène footballistique au Cameroun en 2006 et déjà monsieur Pascal Attarna, le président, était installé. Je me rappelle des rencontres hippiques qu'on a livrées entre son académie et la mienne. Je pense que c'est quelqu'un, c'est un monsieur qu'il faudrait suivre, c'est un monsieur qu'il faudrait impérativement écouter et prendre l'exemple parce que ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'il est sur le terrain. Donc du coup, il n'a jamais failli. Chaque année, il organise des tournois avec succès. Donc c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, à la veille de la création de la Ligue spécialisée de football jeune, qu'on s'appuie sur des messieurs comme monsieur Pascal Attarna parce que grâce à son expérience, grâce à son expertise, il va nous faciliter la tâche. Il va permettre comme ça à la Fédération Camerounaise de football, parce que c'est de ça qu'il est question, à travailler sur des bonnes bases, parce que lui, il aura déjà fait le travail d'ébauche, il aura déjà réussi à voir les contours, les difficultés et les moyens, les raccourcis, comment réussir. Je pense qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Nous, on ne peut que suivre son exemple, on ne peut que s'aligner derrière lui.
et ensemble essayer de développer ce football qui nous est cher, parce que la véritable identité du Cameroun à l'extérieur, je peux vous rassurer que c'est le football. Président Pascal, peut-être avant de revenir avec Hervé, on parlera de notre promoteur qui est la fondation Tafi, qui a tenu, qui a fait un bijou de l'autre côté, sans l'essence de la CAF, pourquoi Maria Pambako. Mais qu'à cela tienne, quel est le bilan que vous faites de cette édition 2019 du Tissot? Non, vous savez, le tournoi semence olympique dans sa globalité, qui se tient trois fois par an, n'est pas un tournoi pour moi. Nous sommes en train de labelliser le football. C'est-à-dire, s'il y avait 5 tournois comme ça par an, c'est-à-dire, si on pouvait dire à Limé, c'est homologué, à Douala, il y a la Eastern, c'est homologué, à Garoua, il y a tel, ça ferait que les enfants auraient une histoire de jeu. Mais aujourd'hui, les enfants, je ne peux pas vous dire, comme disait le président Poumier, les enfants, Nkoulou, Zouadougari, et leur histoire de football, de football des jeunes, c'est le tournoi de semence olympique dans leur jeunesse. Ça fait quand même 20 ans que nous sommes en train d'organiser ce tournoi-là et ça nous fait plaisir. Je vous dis, la nouvelle philosophie, même de ceux qui nous suivent, c'est voudrait qu'on mette sur pied une ligue. Et nous c'est de tout le vœu. Mais je ne souhaiterais pas que ce forum, cette discussion que nous avons, ce tour de table que nous avons autour de table ici, que ce soit comme une campagne. Non, je vous en prie, président, on prend ça sur nous parce que, mettez-vous en dehors, on ne vous a pas posé la question. Nous, on a besoin du bilan, ils vont faire le reste. Je vous permettez de vous relancer. C'est au vu de ce que vous avez déjà fait que nous, on estime que s'il y a des choses qui viendraient à être mises sur pied, on peut quand même s'appuyer sur ceux qui ont déjà fait des preuves, parmi lesquels vous. Donc, vous êtes en dehors de ça, président, nous sommes avec vous dans le bilan. Le bilan, c'est, je vous avais suivi tout à l'heure, c'est un promoteur heureux. Réunir deux équipes nationales, U17 du Tchad, U17 du Cameroun, ce n'est pas évident. Et je vous dis, U17 du Cameroun, c'était un galop d'essai pour eux. Parce que ils ne sont même pas arrivés en finale. Non. Ça remet en question. Non. Ne remettez pas en question la qualité de l'équipe nationale qui a joué. Permet au coach peut-être de revenir dans ses fiches. Oui, c'était une équipe intermédiaire. C'était une équipe intermédiaire de Lyon Indomptable qui a rencontré un adversaire d'une certaine qualité. Vous comprenez? Il y a des gens qui jouent pour la victoire et d'autres qui jouent pour rechercher le jeu. Le football est d'abord une passion, vous savez. Et les enfants avaient la passion. Et rappelez-vous que c'est vous qui avez préparé les U17 pour la dernière CAN victorieuse. Voilà des lauriers que vous m'attribuez. Que je ne veux pas ici maintenant. Parce que c'est nous qui parlons, c'est pas vous, président. Oui, mais je vous dis, si on se met à dire que parce que j'ai fait ceci, je veux ceci, nous, là, beaucoup de gens vont revendiquer beaucoup de choses qui ne méritent même pas. Voilà qui est bien dit. Ouais. Hervé Tichol, on reste avec vous dans ce football jeune. Il y a aussi des promoteurs comme Pascal Attangna. Il a fait un bijou de l'autre côté, sans l'essence de la CAF, à Okwamari, à Pambankomo, à quelques kilomètres de là. C'est le président de la Fondation Tafi. Et ils ont réuni les jeunes pendant une semaine. Les finales sont disputées. Et on a 4 centres qui ont pris le départ de la compétition. Fondation Tafi, Renaissance Football School, Douala Academy, Académie Phoenix. Et vous avez supervisé cette finale hier. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui a été fait tout d'abord de ce côté et ce tournoi qui s'est achevé hier? Bon, avant de revenir à votre question, je veux d'abord regretter le fait de n'avoir jamais participé à un tournoi à Semence Olympique. C'est un tournoi international. Bon, je n'avais peut-être pas suffisamment de talent ou de compétences pour participer. Vous êtes quand même passé par la classe. Effectivement, avec comme promoteur Nicolas Nkoulou, Benjamin Mukanjo, qui eux ont participé à ce tournoi. Mais bon, j'ai pas participé. Désolé, cher papa, peut-être ça se fera dans une autre vie. Oui, effectivement, j'étais présent, j'ai été très honoré d'être présent pour superviser les finales du tournoi. Du Festi Tafi en Bankomo. Je pense également que je tiens aussi de la même manière, dans le même élan, l'organisation du football jeune, illustré par le président Pascal Attangana, d'autres promoteurs, à l'instar de la Fondation Tafi, le président Tafi, qui également soutient ce football jeune, qui a organisé un festival qui a été relevé d'une. Mais nous, on a vu un jeune gardien hier, il a à peine 13 ans, mais il est d'un talent. Il a séduit pratiquement tout le monde de ce côté avec ce jeune gardien. Je vous connaissais. Le jeune Douma Wilson. Je vous connaissais des talents de journaliste, mais pas de recruteur ou détecteur de talents. Donc, vous êtes plutôt un très bon détecteur. Effectivement, on a vu ce gardien qui a de très très bonnes prédispositions. Je pense qu'il fera une très très belle carrière. Mais au-delà de ce gardien,
C'est tout cet élan, ce mouvement qui a été organisé et qui ça s'est fait d'abord dans dans d'excellentes conditions, sur une très belle surface de jeu. On a vu également, au-delà même de l'aspect sportif, l'encadrement, le management, l'organisation. Vous avez été dans l'organisation également de ce tournoi, donc je comprends pourquoi ça a eu ce niveau-là. Pour dire, il faut, de manière globale, il faudrait saluer vraiment de manière sincère, accompagner ce genre d'initiative, et je suis heureux que la Fédération Camerounaise de Football aille dans cet élan. Ça a encore peut-être du mal à décoller, ce n'est peut-être pas encore palpable pour les citoyens, pour les Camerounais lambda, mais je puis vous rassurer que le président Seydou Bobo-Dioula travaille d'arrache-pied sur ce projet. On a vu par exemple l'une des résolutions suite à l'Assemblée Générale, c'est la création, la mise en place de cette Ligue de football jeune qui viendra effectivement dans son projet. Il a assez dévoilé, vous êtes un observateur attentif du football camerounais, vous l'avez suivi durant sa campagne. C'est le 17e point, ou le 7e ou le 17e point dans son acte de campagne. Dans son acte de campagne, effectivement, donc à travers, il a voulu révolutionner, réformer la direction plutôt, la direction technique nationale, réformer le football, l'organisation du football jeune. Il y aura donc cette mise en place de la Ligue de football jeune qui va connaître le jour dans quelques semaines, dans les toutes prochaines semaines, on espère, et qui viendra effectivement organiser, structurer avec le concours effectivement des hautes personnes dans le football comme M. Pascal Atangana et d'autres encore qui apporteront leur expertise, parce que, je veux dire, tout le monde a sa place au final, il faudrait se dire ça. C'est pas, et la volonté de la Fédération Camerounaise de Football, c'est pas de travailler en clan, au contraire, c'est de ramener toutes les intelligences, toutes les forces vives du mouvement autour d'une table pour travailler ensemble, pour relever ce football jeune. Et on est très heureux que des académies comme Estalon, comme Tafi, comme Tournoi Sémence connaissent le jour aujourd'hui et travaillent déjà sur le terrain, et maintenant la fédération viendra avec de nombreux projets pour structurer et organiser tout cela. Merci bien Hervé Tichol. On va peut-être boucler cette première partie. Nous, on a séjourné à Douala lundi et mardi dernier à l'occasion de l'Assemblée de l'Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale, UNIFAC, et quelques résolutions ont été prises dans ces travaux. Président Valentin Atéba, on va dire les 5 présidents de la sous-région sont réunis du côté de l'hôtel La Falaise. Il y a le football féminin, le football jeune qui est au cœur, le Cameroun qui devra habiter le tournoi. Il y a une élection qui est annoncée. Tout à l'heure, on prendra peut-être la réaction, la lecture du communiqué final. Mais un mot quand même sur cette UNIFAC qui recommence à se réunir après que son président Gaïsona ait été mis en difficulté. Oui, vous savez, pour être compétitif sur le plan continental, sous-régional, continental et même mondial, il faut multiplier les activités, il faut multiplier les tournois, il faut multiplier ce genre d'activités que canne l'UNIFAC. Et je pense que c'est quelque chose de très important qui permet à une équipe, qui permet à un pays comme le Cameroun, puisqu'il faut parler du Cameroun, qui permet au Cameroun de mieux asseoir, de mieux consolider les acquis dont il dispose. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle que l'Afrique centrale puisse se réunir et participer à une réflexion. Ça crée une certaine osmose. Tout à fait. Et c'est pour cela que j'ai toujours aussi émis le vœu que nous reprenions les jeux de l'UIAC qui permettaient à ce que l'Afrique centrale puisse mieux se développer, puisse mieux consolider les talents dont il dispose. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle de voir comment l'Afrique... C'est ça un peu qu'on appelle la coopération sportive sous-régionale. Qui dit qu'il est déjà candidat. Est-ce qu'on peut avoir la réaction avec le concours de la régie de l'autre côté? Est-ce qu'on peut avoir cette lecture du communiqué final qui nous reste quand même la ligne à suivre dans quelques jours pour ce qui sera des activités de cette UNIFAC-là? Le comité exécutif de l'Union des Fédérations de Football de l'Afrique centrale, UNIFAC, s'est réuni à Douala ce jour, mardi 30 juillet 2019. L'ordre du jour a porté sur les points suivants. 1. Fixation de la date et du lieu de la prochaine Assemblée générale élective. 2. Calendrier des compétitions de l'année 2019. Tournoi féminin.
tournoi U17 et U20 garçons. Troisièmement, présentation de l'état financier 2018. Quatrièmement, divers. À l'issue de cette réunion, le comité exécutif a arrêté ce qui suit. Premièrement, la prochaine assemblée générale ordinaire élective se tiendra à Libreville au Gabon le 31 août 2019. Deuxièmement, le calendrier des compétitions de l'année 2019. Tournoi féminin du 16 au 25 septembre 2019 en Guinée équatoriale. Tournoi U17 du 12 au 22 décembre 2019 au Cameroun. Tournoi U20 dans la deuxième quinzaine du mois de novembre 2019 en Centrafrique. Troisièmement, l'état financier présenté par le secrétaire général doit être repris et amélioré. Un audit sera commis ultérieurement. Quatrièmement, un appel à candidature pour le poste de directeur exécutif sera lancé prochainement. Fait à Douala le 30 juillet 2019. Je vous remercie. Nous sommes toujours en compagnie de nos amis des Best Talents. Président Adam Poumi, une réaction en 30 secondes après ce communiqué final de cette réunion qui s'est tenue mardi dernier dans un hôtel de la place du côté de Douala. Ben écoutez, elle est simple. Ce que l'UNIFAC est en train de se réorganiser, c'est que la compétition sous-régionale qui réunit tous les pays de la sous-région, de l'Afrique centrale, finalement ont compris l'importance de s'organiser, de se réunir, parce que en plus de l'avantage sportif qu'il y a, il y a aussi la fraternité entre les nations, vous savez, l'intégration sous-régionale. Oui, exactement, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine se réunissent, ça tisse des liens, ça crée des liens. Et le dernier tournoi UEFA qui s'est déroulé au Cameroun avec les cadets masculins, vous voyez que ça nous a permis comme ça de préparer notre équipe qui allait après être championne d'Afrique. Donc c'est d'une très grande importance toujours de jouer ce genre de tournoi de la sous-région. Les gens de l'Afrique de l'Ouest avaient pris de l'avance un peu sur nous, ceux de l'Afrique australe aussi. Là on a compris, on avait eu un temps d'arrêt parce qu'à l'époque on était tout jeune, il existait ce qu'on appelait à l'époque le tournoi de l'UDEAC où on faisait jouer plutôt les équipes premières. On a restructuré cela en faisant plutôt jouer des catégories. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'il faudrait perdurer. Voilà, qui est bien. On va marquer un autre arrêt dans ce programme. On va pas de l'autre côté. Pour prendre la revue de presse, Gabriel Messina est allé en kiosque. Elle est allée s'enquérir de la situation. Il y a le quotidien Presse pour lui indomptable, le quotidien Le Jour et bien d'autres qui se sont penchés sur les questions de sport. On prend la revue de presse et on revient sur le tour d'arrêt. Cher inconditionné de H-Foot, la revue de presse de cette semaine s'ouvre avec l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui s'est tenue vendredi dernier. Le billet hebdomadaire Lyon Indomptable met en une Assemblée générale électrique. Le journal fait ainsi allusion à la révision des textes, sujet principal de la première Assemblée générale extraordinaire sous le nouvel exécutif, et s'étalie dans sa parution du Grand Juillet. On poursuit avec le journal numérique Presseport qui titre « Cannes 2021, Seydou Mbombounjoya endort le Cameroun ». Le quotidien revient sur les déclarations du ministre algérien de la Jeunesse et des Sports à propos de l'attribution de la Cannes 2021 à son pays en cas d'échec du Cameroun. Le journal se penche également sur les dires du président de la FECAFOOT qui affirme que les propos du ministre algérien ont été déformés. Restons sur la Cannes 2021, cette fois avec le journal Mutation qui met à sa une Cannes 2021, assurance sans garantie. Le journal déclare que les réactions de la FECAFOOT et la Fédération algérienne de football ne mettent pas le Cameroun à l'abri d'un nouveau regret. Et c'est à lire en page 14 dans sa parution du 30 juillet. On termine avec le quotidien numérique Presseport qui titre
UMS Gate. Dans un entretien exclusif, le journal nous livre les déclarations de Laurent Diam, ex-entraîneur de UMS de Loum, limogé pour avoir réclamé des salaires impayés. Et c'est terminé pour cette édition de Revue Sportive. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, gardez la foot attitude. Nos amis de Best Talent qui sont toujours là. Président Pascal Attana, prenez la parole. Vous avez suivi, c'est Gabrielle Messina. Elle est allée dans le quotidien Presport, elle est allée dans le quotidien Le Jour, Messager et bien d'autres pour s'enquérir. Il y a quand même des titres forts, est-ce qu'on va se le dire? AG fait Foot électrique. Il y a la CAN 2021, Cédou Andor, le Cameroun, assurance et sans garantie. Et le UMS Gate. Vous choisissez un sujet parmi ces différentes unes pour qu'on puisse en parler. Je ne vais choisir aucun sujet. Je veux répondre globalement à Gabriel. Surtout sur le cas de la CAN. Oui, sur le cas. Pourquoi est-ce que nous plaisons à entretenir que la mauvaise partie des choses? C'est-à-dire que c'est peut-être pour booster les gens à faire mieux, mais moi je demeure convaincu qu'il y a une autre manière d'informer et d'alarmer le public. Lorsque le ministre algérien fait sa déclaration, il ne fallait pas voir un échec total. D'autant plus que même le CHAN, c'est en juin, c'est-à-dire, disons, dans 8 mois que ça va se passer. Mais moi... La date a changé La date a changé. Vous savez qu'avec l'organisation où tous les championnats doivent finir en fin mai, c'est aussi le temps de liberté de tout le monde. Il n'y a pas d'équipes qui seront mises de côté pour que cela soit. Mais mon inquiétude est venue plutôt du communiqué final de l'Assemblée d'UNIFAC. Il prévoit les U17, le tournoi des U17 en novembre 2019. Mais nous allons en octobre, novembre au Brésil. C'est-à-dire que à un moment, non, même si on avait le temps de souffler, c'est comme si c'était les aveugles qui sont des gens qui sont dans une bulle, qui prennent des décisions. Parfois, il faut être dans l'ambiance de compétitions pour que l'on prenne. Je donne un point de vue qui n'est critique, c'est-à-dire qu'on essaie un peu de lire avant de prendre des choses. Pour le reste, là, vraiment, je refuse que nous soyons pessimistes. Je crois on doit être optimiste. Ouais, il y a aussi le lieu de soutenir que c'est possible. Et une fois ça passe, deux fois ça lasse, trois fois ça va casser. Hervé Chichon, on parle de l'AGFK Foot électrique. Ça chauffe entre le général Pierre Semenge et le président de la fédération. Il y a 5 avocats qui viennent d'être commis. Il refuse d'être président d'honneur de la FECA Foot parce que selon lui, il a été élu, il a encore un an de mandat et qu'on veut déjà peut-être l'enlever dans ça, comme on dit le plus souvent au quartier. Et il y a le cas de Joshua aussi, le deuxième vice-président qui a été obligé de choisir. Mais d'aucuns estiment qu'aujourd'hui, il faut tailler les textes à la mesure de ce dernier et que le prédécesseur, pour ne pas dire maître du René Api, n'aurait rien fait pour que ce dernier puisse revenir. Vous glissez juste un mot parce que les autres vont aussi parler de ce sujet. Oh, je laisse. C'est que vous n'êtes pas trop à l'aise dedans, mais vous allez quand même dire. Non, oui, j'avoue mon inculture dans tout ce qui est question politique et question juridique. Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas dans la politique. Je suis dans le football, je suis préoccupé par la cause du football au Cameroun. Je vais plutôt embrayer le pas de mon cher papa. Je ne vais pas choisir un sujet particulier, je vais analyser de manière transversale. Je pense que concernant l'organisation de la CAN, c'est là où j'avais un mot à dire, je pense que le président Cédou a levé tout équivoque. Mais au-delà de ça, il faudrait peut-être se rappeler le préalable. D'où est partie la polémique? La polémique part des propos tenus par le ministre algérien des Sports, Raouf Bernaoui. Et au sortir, il faudrait le rappeler, le contexte dans lequel cela a été, ces propos ont été émis, c'est au sortir de leur victoire à la CAN. Il tient une conférence de presse où un journaliste lui pose, une journaliste même d'ailleurs, pose dans l'euphorie de la victoire, ok, on a remporté, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie peut conserver son titre en éventuellement organisant une Coupe d'Afrique? Bien évidemment, la réponse. Alors qu'elle est attribuée, mais est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Attention, les propos ont été effectivement mal interprétés. La journaliste a posé la question au ministre des Sports qui tenait sa conférence de presse. Que l'Algérie est en mesure d'organiser une Coupe d'Afrique.
À l'évidence, le ministre va répondre oui. Non, le ministre a dit oui, l'Algérie a les moyens et les possibilités d'organiser une Coupe d'Afrique. Mais la nuance était que ce n'était pas l'optique de remplacer ou de substituer l'organisation du Cameroun. Et je pense que le secrétaire général de la Fédération algérienne de football, Mohamed Saad, a clarifié ses propos et a clairement dit que, voilà, aujourd'hui, l'Algérie... Les propos ont effectivement été déformés, ça a peut-être, voilà, on s'est peut-être trop vite emballé dans, suite à ces propos-là, qui, encore une fois, il faudrait le rappeler, le contexte. Donc, c'est doué dans son bon droit, il n'endort pas le Cameroun comme... Effectivement, le président de la... Je trouve effectivement les propos ou assez durs. Assurance sans garantie. Ce titre, par contre, du quotidien Mutation, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent. Assurance sans garantie, parce qu'effectivement, on se souvient de l'épisode assez douloureux d'il y a quelques mois. De 2019, effectivement, où effectivement on a reçu le président de la CAF qui a donné toutes les garanties en disant voilà, la CAF n'a pas de plan B. On se souvient encore, ça tourne encore dans nos têtes comme des retentissements de guerre. Mais aujourd'hui, voilà, effectivement, là je trouvais la question du quotidien Mutation beaucoup plus pertinente. Et on a des assurances, effectivement, mais on n'a aucune garantie. Mais c'est à l'image de tout dans la vie. On n'a pas de garantie d'être là demain, on n'a pas de garantie de participer à une... C'est peut-être une alerte, c'est peut-être une... Effectivement, c'est une alerte, et je vais paraphraser M. Pascal Attanana, qui, ça devrait nous inciter, nous tous, acteurs du football camerounais, à se mettre résolument au travail pour conserver ce titre, parce qu'effectivement, aujourd'hui que la menace pèse sur nos planes, sur nos têtes, on se dit quand même que ce serait quand même un échec retentissant et sans précédent que pour une seconde fois consécutive, il y a un risque de nous retirer la CAN, ce qu'on n'espère pas bien évidemment, mais ça devrait nous tirer, ça devrait tirer la sonnette d'alarme, ça devrait nous alarmer tous, acteurs, et là on est tous acteurs confondus, en nos titres et en respectifs, pas uniquement tirer sur une institution, le ministère des Sports, la FIFA, tous acteurs, nous sommes tous concernés pour apporter notre pierre à l'édifice pour que nous puissions conserver cette organisation et que nous puissions organiser cette CAN de la plus belle des manières. Valentin Atiba, nous sommes en train de commenter cette revue de presse et ça rentre dans certains sujets qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Ce cas, la CAN, ça refait surface, ça bavarde, ça parle avec cette sortie du ministre, avec la sortie du président et le président Sidou Mbondjoya qui n'est pas passé par quatre chemins pour assurer les Camerounais. Mais du côté de Mutation, on n'a pas de garantie. Bon, moi je pense que c'est une communication sans objet. Si moi j'étais le président de l'Africa Foot, je n'étais pas obligé de sortir et de dire tout ce qu'il a dit, soit pour rassurer, soit pour endormir pour les uns. Ça n'a pas d'objet. Pourquoi? Parce que je pense que le président de la CAF avait déclaré que la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 sera organisée au Cameroun. Et il y a eu un acte fort qui a été pris à la finale en remettant le Fanion. Mais il faut peut-être reformuler la question. Pourquoi les uns et les autres en débattent? C'est la fébrilité. C'est la fébrilité. Lorsque vous êtes sûr de vous, on vous dit votre épouse est là dehors, il y a quelqu'un qui est en train de lui faire la cour. Vous continuez à faire ce que vous... Parce que vous savez que votre épouse ne peut rien faire là. Vous avez confiance en elle. D'où vient-il que un président de fédération d'un pays ami fasse une déclaration ou un ministre fasse une déclaration où vous vous mettez à trembler, il y a un problème. Soyez confiant, soyez sûr de ce que vous êtes en train de faire, soyez serein et continuez à travailler. Continuez à travailler dans le sens de respecter vos délais, de respecter les délais qui vous ont été impartis, qui vous ont été proposés. Je n'ai pas les instruments nécessaires pour pouvoir évaluer et pour pouvoir dire qu'on est hors délai. Ce que je dis, c'est que soyez sereins. Parce qu'on a vu des sereins. Le Cameroun a recherché d'argent pour terminer les chantiers. Ceux qui ont titré, est-ce qu'ils ont tous les instruments nécessaires pour faire une évaluation crédible? Et c'est dire que nous avons tel indicateur qui nous permet de dire que le Cameroun n'est pas dans les délais. Certains chantiers sont en arrêt. Je pense que les chantiers peuvent être en arrêt. Qui ont construit des maisons? Moi, j'en ai conçu une, là où j'habite, pour dire que mon chantier peut s'arrêter. Vous ne savez pas pourquoi il est arrêt. Moi, je sais là où je vais. Et je sais quand il va reprendre et à quel rythme il va reprendre pour pouvoir atteindre les délais et les objectifs que je me suis fixés. Donc, je pense que on peut critiquer, on peut exercer la pression au système gouvernant
et à ceux qui construisent les chantiers. D'une autre façon, pas en critiquant, en salissant, en faisant une communication négative sur les chantiers ou alors sur le mode de gouvernance de ces chantiers. Donc je termine en disant aussi que le président de la Ligue électrique, j'ai essayé d'approcher, j'ai beaucoup d'amis qui sont membres de l'Assemblée Générale. Mais j'ai appris qu'il n'y a pas eu de problème à cette Assemblée Générale. Et il a claqué la porte. Non, il a, attendez. En qualité de moins fort, mais en c'est ça non, la... il est sorti, mais en qualité de quoi? Et en qualité il de n'a pas qui? Pris part au comité exécutif, il est venu non, à l'Assemblée. Attendez, il est parti avant attendez. Selon les informations qui m'ont été. Là, il y a le communiqué qui est sorti. Selon il les il informations. A commis 5 avocats pour contester. Ce n'est pas un problème. Les résolutions de cette moi, assemblée. Je peux être dans une situation de frustration et je porte plainte. On ne peut pas vous interdire de porter plainte. Et vous avez refusé à la presse de dire qu'il y a problème? Je dis, lorsqu'il y a un problème, il faut aller au fond des choses. Moi, je voulais répondre à un problème. Allons-y. J'ai interrogé des amis qui étaient membres de l'Assemblée Générale. Ils m'ont dit que les travaux se sont déroulés normalement. Et comment les avocats sont venus aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le président Semeng qui sort de cette assemblée, qui a claqué la porte, n'avait pas qualité. Il n'est pas membre de l'Assemblée Générale. Donc, à partir de ce moment, non, il n'est pas membre de l'Assemblée Générale. Allons sur cette base-là. Comment il a fait pour se retrouver en salle? Non, on peut vous inviter. On peut vous inviter. Mais il est vice-président de fête de la Fédération. Je vous dis que le président de la Ligue de football professionnel n'est pas membre de l'Assemblée Générale. Il peut donc claquer la porte, ça n'a aucun effet. Je m'arrête à ça. Donc, maintenant, il avait peut-être en tant que dignitaire de la République, en tant que possesseur d'un certain nombre d'informations, il avait anticipé sur ce qui serait en train de se tramer. Et il a dit il ne veut pas assister à ça. Ça, c'est de son droit. Mais je pense que si on s'arrête au fait, il a claqué la porte, il n'avait pas qualité d'être là. Donc c'est comme un enfant de bel talent qui se retrouve à une assemblée générale et qui claque la porte. Oui, en un mot, juste rebondir sur les propos de M. Valentin Teba pour dire que avec qui je suis partiellement d'accord, notamment sur la posture du président dans sa communication. Je trouve que c'était la bonne démarche d'éteindre toute polémique. Je pense qu'il a levé tout équivoque. On a souvent été habitué à des communications réactives où on laisse place d'abord à une bataille de l'opinion et souvent, lorsqu'on dit rien, on consent. Donc je pense que c'était de la bonne démarche et de plein droit parce qu'il a été interpellé par son homologue, le président de la Fédération algérienne de football, qui a souhaité lui apporter tout son soutien, toute sa solidarité dans sa démarche en disant ah, on a vu rassurant. Aussi à un moment le président de la Fédération marocaine qui s'était levé à Bourdia, mais finalement c'est l'Égypte qui a organisé la compétition. Et le Maroc, vous avez dû remarquer que le Maroc n'a pas organisé la Coupe d'Afrique. Donc je pense que pour revenir et être sérieux, je pense que sa démarche était la bonne. Il fallait qu'il communique. C'est important pour lui de communiquer, donner au moins l'avis de la Fédération Camerounaise de football et dans le même élan, la posture de l'État camerounais qui a effectivement cette ferme intention d'organiser cette compétition. Ce n'est plus simplement une question sportive. C'est déjà aussi, ça rejoint une question d'honneur de la patrie. C'est l'organisation de la Coupe d'Afrique, c'est un patrimoine. Il faudrait qu'on le sache et je pense que c'était de plein droit et dans son droit. Il était d'abord dans son droit, le président de la Fédération Camerounaise de football, et je pense que ça a été une bonne démarche. Il a eu des propos rassurants. Je pense que ça a apporté un certain nombre d'éclaircies pour l'opinion publique et ça a rassuré un certain nombre de citoyens. Je pense que c'était la bonne démarche. Président manager Adam Poumi, vous avez suivi cette revue de presse. Il y a quand même le cas de l'Assemblée Générale. Il y a le cas du deuxième vice-président, Joshua aussi, qui a été évoqué. On sait qu'il fallait un moment choisir soit l'Assemblée, soit l'Africa Foot. Il a été mis de côté. Maintenant, on parle des textes qui seront revus et corrigés pour que ces derniers puissent retrouver sa place. Il y a ce cas avec le général Pierre Semenge. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème entre l'Africa Foot et l'Afrique professionnelle du Cameroun? Ben écoutez, c'est évident que ça bouillonne entre la Ligue professionnelle de football du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. C'est évident parce que il y a des pays qui se lancent, qui se jettent. Il y a le président de la Ligue professionnelle, le patriarche Semenge, qui a claqué la porte. C'est vrai que Valentin ne veut pas qu'on se voit cela, mais il est parti. Il est parti parce qu'il y avait une certaine gêne, parce qu'il ne se sentait pas à l'aise, parce qu'il s'est dit qu'il y avait des trucs qui s'étaient
contre lui. Maintenant, du côté de Joshua, il n'a que respecté les textes qui disaient qu'on ne pouvait pas avoir un cumul de fonctions. Il a choisi son poste de parlementaire. Bon, après, s'il faut réviser les textes, peut-être ça viendra après. Mais je pense qu'il faut déjà lui tirer un coup de chapeau parce que lui, au mais moins. Il faut forcer du côté de l'Assemblée de l'Afrique pour le maintenir à ce poste de vice-président. Alors que c'est la question qu'il faudrait poser aux membres de l'Assemblée générale. Parce que lui. Les textes ont été écrits. Et il a respecté les textes. Il estime aujourd'hui que rien n'a été fait pour d'aucun. Bah écoutez, il faut poser cette question aux membres de l'Assemblée. Nous, on se contente des textes qui ont été écrits au préalable. Maintenant, pour parler de ce remue-ménage autour de l'organisation de la CAN de 2021, pourquoi ça revient? Ça revient justement parce qu'il y a une certaine fébrilité au niveau des infrastructures, de la construction des infrastructures au niveau du Cameroun et aussi surtout à la mauvaise information, la façon que les journalistes camerounais relaient l'information à l'extérieur. Parce que c'est là le véritable danger. Et on a été avec Ahmad, il nous a rappelé cela. On était en Égypte, vous avez vu que ce n'était pas autant extraordinaire que cela. Vous avez vu, la presse égyptienne est restée solidaire au comité d'organisation. Il y a eu plein de ratés, il y a eu plein d'États qui n'ont pas voulu relever. Ils sont restés solidaires à l'Égypte et au comité d'organisation. Mais c'est dommage qu'au Cameroun, une certaine presse passe beaucoup plus le temps à tirer sur le Cameroun. Une certaine presse passe beaucoup plus le temps à être plutôt négative sur les actes du Cameroun. Et ça n'honore pas notre pays parce que c'est vrai, il y a eu des retards, mais il faut reconnaître que le Cameroun se bat. Quand vous regardez le stade de Japoma, le stade d'Olembe et même le stade d'Amadou Adjo, il n'y a que le stade international du Caire qui a le même standard peut-être que le stade de Japoma. Mais je pense que le Cameroun se bat. On a encore 2 ans pour organiser la CAN de 2021. On a 8 mois pour organiser le CHAN de 2020. Les délais impartis sont de 6 mois. La CAF veut recevoir ces stades 6 mois avant la compétition. Je pense qu'on a encore le temps. Je pense que si on se met véritablement au travail, je préfère que la presse essaie plutôt de travailler sur le plan politique au lieu de saboter, de salir l'image du Cameroun. Parce que quand vous allez à l'étranger, vous vous rendez compte que toutes ces informations négatives que la presse relaie causent un gros préjudice au Cameroun. Est-ce qu'il y a les ennemis de la République, président Pascal Attana? On voit l'ennemi partout. Je vous dis, il y a la culture. Est-ce que vous avez déjà... j'ai suivi des reportages. C'est maintenant que vous avez la télé. Avant, il y avait seulement la radio. Et le meilleur souvenir que je reçois d'un reportage d'un match français, le journaliste français dit, on n'est jamais neutre. Il faut d'abord vendre ta chose, même si elle n'est pas bonne. Et je vous dis, ce n'est pas ennemi. Et lorsqu'on a vu que les gens avaient mal, c'est quand on nous a retiré, c'est là qu'il y a eu des pleurs. Des plaies même où on n'attendait pas. Mais je voudrais aussi revenir un peu sur l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, le général, avant de sortir, il a appelé son vice-président, M. Domke, de venir prendre sa place sur la table. Je n'étais pas là, mais c'est des sources très introduites. Et dans un second temps, lorsque le général prend des avocats, commet des avocats pour cela, contester. Il ne vous a pas dit qu'il contestait. Il n'a rien dit. Le communiqué est clair. Et non, le communiqué est pour en cas, c'était pour une éventualité. Et retenez ceci. Maintenant, là, c'est un vieux qui parle. Qui veut la paix prépare la guerre. Ça, c'est Indira qui l'a dit lorsque l'Inde acquiert la bombe atomique. Vous comprenez? Qui veut la paix prépare la guerre. Il prend les dispositions pour ne pas être dépourvu. Voilà un peu ce que je peux vous dire ici. Alors, lorsqu'il prend ces décisions-là, voyons-y des mesures préventives. Parce que lorsque vous voyez les défis militaires à travers le monde, chacun sort son artillerie lourde. Il dit que si tu commences, voilà où je vais. Et vous le dites. Là, c'est le vieux qui parle. On prend ça dans ce sens-là. Voilà. Voilà qui est bien dit. Merci, président Pascal Tangana. Aux prochaines éditions, on reviendra sur le point de cette assemblée qui nous sera fait par Gabriel Messina, plutôt Marina Kogmina. Mais cela n'est pas, on va avancer dans ce programme, on va parler de sélection nationale, Hervé Tchitchol est là, comment ne pas en parler. Le mercato bat son plein, les Camerounais bougent, il y a Yannick Dieng qui vient de prendre la direction du Koweït et bien d'autres. Nos confrères de presse pour sont penchés en milieu de semaine sur le mercato de certains Camerounais, Clinton Dieng et bien d'autres, bien qu'on sache ce qui s'est passé avec Clinton, on ne reviendra pas ici parce que il faudra le soutenir. Prenons
ce mercato des clubs camerounais et on se retrouve derrière vous pour parler de la sélection nationale. Salut à tous, bienvenue au journal du Mercato. On l'ouvre avec le transfert de Boris Esselé qui s'est engagé avec Amiens, un club français de Ligue 1 pour 4 saisons. Il s'agit d'une opération historique pour le football camerounais qui transfère difficilement les gardiens de but dans les grands championnats. Alain Niom est un joueur de Getafe. Le latéral droit camerounais continue à jouer en Liga après son passage à Leganés la saison dernière. Il ne changera pas de ville, il restera à Madrid au moins jusqu'en 2021, bien qu'il ait une option d'une saison supplémentaire dans son contrat. À 31 ans, Niom a déjà joué en Espagne sous les couleurs de Grenade. Sébastien Basson rebondit en Grèce. Mercredi, le Volos FC, club grec de première division, a annoncé la signature du défenseur camerounais pour une saison. Ce dernier, passé notamment par Tottenham et Newcastle, était en fin de contrat à Peterborough. Clinton Dié débarque en Russie. L'attaquant camerounais s'est engagé jeudi pour 4 ans avec le Dynamo Moscou où il a passé sa visite médicale à la veille. Le club marseillais va récupérer environ 5,5 millions d'euros dans la transaction. Une nouvelle étape de ma carrière commence et je suis heureux que cela soit au Dynamo Moscou. C'est un club connu et sérieux qui construit maintenant une nouvelle équipe et fixe de grands objectifs, a réagi l'ancien attaquant de Tottenham. Jean-Pierre Samé prolonge. Les Young Boys ont prolongé jusqu'en 2023 le contrat de Samé. L'attaquant camerounais évolue à Berne depuis l'été 2017 et son transfert en provenance de Servette. En 63 matchs avec Young Boys, Nsamé a inscrit 28 buts. Il a contribué aux deux titres de champion obtenus consécutivement par le club. Choupo-Moting parti pour rester au PSG. Les représentants de l'attaquant camerounais s'activent en coulisses pour lui trouver un nouveau point de chute. Mais son salaire et son faible rendement de la saison dernière compliquent son départ du PSG. À ce rythme, le capitaine des Lions Indomptables pourrait donc aller au bout de son contrat à Paris. Saint-Étienne ne lâche pas Ibrahim Amadou. L'ancien Lillois parti l'été dernier au FC Séville, où il n'est apparu qu'à 17 reprises en Liga, est la priorité des Stéphanois. Malgré son faible temps de jeu, son prix serait estimé à 10 millions d'euros par le club andalou, ce qui aurait cependant tendance à refroidir les Verts qui veulent se renforcer au milieu. C'était le journal du Mercato. Merci à tous. Voilà qui est bien dit nos amis de Best Talent qui sont toujours avec nous. Nous sommes en train d'amorcer la dernière ligne droite de ce programme. Mais Chichol, vous avez vu, ça bouge quand même chez les Camerounais. À un moment, on se posait des questions. Mais là, on voit Clinton Dié, bien qu'on ne reviendra pas sur la sextape. On voit Alain Niom et bien d'autres. Ça bouge pour ce qui est de ces Camerounais-là. Mais on se pose la question, qui sera le prochain entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun quand même, au-delà de tout. Bon, déjà, c'est la preuve que les footballeurs camerounais restent attractifs. C'est vrai qu'on assiste quand même à une recrudescence de manque de transfert au niveau des joueurs camerounais ou des transferts dans top, top club, je dirais plutôt. Mais là, on voit quand même qu'au-delà de tout ce qui peut être dit, au-delà de toutes les polémiques qui entourent l'aspect sportif, on voit quand même que les footballeurs restent attractifs, ils restent courtisés sur le marché des transferts, on n'est pas en reste. Bon, maintenant, il faudrait accompagner tout un ensemble de choses. Maintenant, ça rejoint un certain volet de marketing, de sponsoring pour augmenter leur valeur marchande et les emmener à signer des contrats dans des clubs beaucoup plus et des structures beaucoup plus élevées, des championnats beaucoup plus relevés. On leur souhaite tout le bonheur du monde et que ça se passe bien pour eux dans leur nouveau club, quoi. Président Pascal Attana. Ouais. On se pose des questions sur ces différentes sélections nationales, surtout la sélection Fagnon. Il y a Clarence Seedorf qui a été débarqué au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous, est-ce que vous avez un choix particulier? Est-ce qu'un étranger, la solution locale, un collège, comme on a souvent dit, parce qu'en ce moment, on cherche toujours
l'entraîneur national. Quand nous étions jeunes, on voyait les films. Il y a deux amis, ils vont voler. Et puis l'autre dit, nous sommes les rois du pétrole. Son ami le tue, il dit, les rois sont toujours seuls. Vous cherchez des collectifs pour quoi? Il faut quelqu'un qui est responsable de l'équipe nationale. Il peut être camerounais, asiatique ou européen. Nous attendons quelqu'un qui soit responsable de ce qui est arrivé. Je vous dis, et c'est la vérité. Le problème, c'est de créer les conditions. Parce que, Valentin a dit qu'il faut des conditions pour même l'évolution du football. Il faut des conditions qui nous permettent. Maintenant, la direction technique commence à sortir de sa réserve. Peut-être que. Il y a un stage qui est annoncé à partir du 4 et le 6 prochain. Tout à fait. Peut-être que c'est à partir de lui que nous aurons le profil de l'entraîneur. Qu'il soit chinois, japonais, camerounais, ou bien qu'il ait ma taille, ou que comme vous me dépassez trop là. Il faut aller faire ça avec Cody. Cody du volet. Comme ça, vous allez dire que vous me dépassez. Et puis, dès qu'on a arrêté ça, c'est à vous maintenant qui étiez en Égypte. 1, 2, 3, nous sommes à 5. 1, 2, 3. Dites-nous donc les échecs. On va poser la question à Dabomi tout à l'heure. On va poser la question. Oui, président. Jusqu'à c'est moi qui continue, tu veux amener les débats. On va poser la question. C'est pour ça qu'on a laissé ce plat chaud pour Dabomi qui nous dira qu'est-ce qui n'aura pas marché. Vous voulez seulement que nous, on invente le mensonge. Vous avez dit que c'est Atana qui a dit. C'est Valentin qui a dit. Valentin, on était là. Valentin, t'es pas, le président vous interpelle. Quelle solution pour la relance de ces sélections nationales? Bon, ben, je voudrais d'abord dire que, effectivement, comme Hervé a dit, quand on analyse une situation, on peut l'analyser par palier. Oui, vraiment, on ne voit pas dans le top des championnats, Allemagne, France, Italie, dans le top 5, dans le Big 5. Ouais, on ne voit pas beaucoup les. Mais il y a quelque chose en termes de compétitivité, c'est le dénominateur commun. Quand on veut évaluer un joueur, on va regarder tout ça, il y a un dénominateur commun, c'est la compétitivité. Mais il y a les degrés de compétitivité. Vous pouvez être compétitif au championnat français, être compétitif au championnat camerounais, il y a un degré de compétitivité. On va plutôt choisir celui qui est plus compétitif donc en France. Mais le dénominateur commun, c'est la compétitivité. Je rêve d'une équipe où tout le monde sera compétitif. C'est-à-dire que même au Cameroun, tous les week-ends, tous les... Oui, au Cameroun, qu'on ait des joueurs compétitifs. Quand on vous appelle à l'équipe nationale... On a vu une équipe aujourd'hui pratiquement expatriée, celle qui a pris part à la dernière Coupe d'Afrique. J'y arrive. Quand on arrive à l'équipe nationale, qu'on regarde, on sait que tous les joueurs, même ceux qui sont au banc, sont compétitifs. C'est ça, moi je rêve de ça. Qui joue en Chine, en Allemagne, qu'il soit, qu'il soit chinois, qu'il soit de championnat chinois, qu'il soit le championnat de... comme on appelle les championnats de deuxième ou de troisième. Mais on vient d'échouer aussi aujourd'hui en estimant que ce n'est que ceux qui jouent à l'étranger qui sont bons. Non. Est-ce qu'on ne doit pas se poser les bonnes questions? Je pense que il faut d'abord être compétitif. Moi, je rêve d'une équipe. Donc, on met l'accent sur la compétitivité. Oui, une équipe où tout le monde est compétitif. Que vous jouez au Cameroun, que vous jouez au Gabon, mais il faut être compétitif. Maintenant, à partir de là, on va regarder, est-ce que vous êtes un bon joueur malgré le fait que vous soyez compétitif? Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Pour dire que bon, le débat des chiffonniers, on n'est pas dans le five, dans le big five et tout ça là, c'est bien, mais s'ils sont compétitifs, s'ils jouent dans les championnats, là où ils ont été recrutés, c'est déjà une bonne chose. L'autre chose, je veux dire que... Pour chuter. Je voudrais dire que je suis d'accord que l'entraîneur soit chinois, qu'il soit belge, qu'il soit camerounais, il y a quelque chose qu'il faut, comme on a dit, il faut un appel à manifestation d'intérêt. C'est très important. Même si on ne le fait pas publiquement, mais il faut quelque chose. Il y a les CV qui sont déjà déposés. Il faut quelque chose. Et je veux encore vous dire une chose. Il faut un cabinet. Il faut un cabinet. Si c'est la DTN qui peut s'ériger en cabinet, tant mieux. Il faut un cabinet sportif. Ou parce que ce n'est pas tout le monde qui peut auditionner un entraîneur. Ce n'est pas tout le monde qui peut lire un CV sportif. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'interpréter et qui peut bien comprendre. Donc, il faut des experts qui vont recruter ces entraîneurs. Et il faut des critères connus. Il faut des critères connus, des critères mais objectifs. On a déjà ces critères qui sont définis. Il faut avoir été entraîneur d'une sélection, il faut avoir gagné des titres en club, il faut. À ces critères-là, il faut ajouter un ou deux critères. Lesquels? C'est des critères de gouvernance et de moralité. Voilà qui est bien dit. C'est les critères de gouvernance et de moralité. Moi, je connais. Vous savez, en management, vous pouvez être un très bon, un homme compétent. Si vous êtes de mauvaise moralité,
vous n'êtes pas compétent. Et cette commission d'éthique. Attendez, je termine. Vous n'êtes pas compétent, mais vous êtes de très bonne moralité. Et vous êtes très compétent et vous êtes de moralité douteuse. Je suis un manager, je prends celui qui n'est pas compétent. Parce qu'on peut niveler, on peut améliorer votre compétence et devenir bon. Mais on ne peut jamais changer votre moralité. C'est difficile. Donc, pour dire que vous pouvez être un entraîneur de football de très bonne qualité, de très bonne compétence, mais votre moralité douteuse. Oui, peut. Dans cette commission éthique, donc, elle a bienvenue. Laissez les histoires de commission d'éthique. La commission d'éthique a ceci de pas. La commission d'éthique a pour objectif, a pour mission de vous juger. C'est pas là le problème. Président Nadjog Adam Poumi, on reviendra. Prenez votre mal en patience. Vous parlez pendant deux jours. C'est ça aussi. Président Adam Poumi, il va vous poser la question comme le président Pascal nous a posé cette question. Nous sommes à l'heure du bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez été à Alexandrie, vous avez été du côté à Ismaïla, vous avez suivi ces lieux notables du Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on se retrouve là où nous sommes là? Écoutez, Daniel Fissindiek, je dirais que tout n'a pas marché. Rien n'a marché du tout, que ce soit sur le plan du management, que ce soit sur le plan technico-tactique sur le terrain. Déjà, à l'entame de la compétition, on commence le match contre la Guinée-Bissau avec beaucoup d'espoir parce que au vu de la préparation, au vu de la qualité des joueurs qu'on avait sur le terrain, on a mis beaucoup d'espoir sur les épaules des Lions indomptables du Cameroun. Pas nous seulement les Camerounais, mais les nombreux spécialistes du football qui ont fait le déplacement de l'Égypte voyaient le Cameroun au moins en demi-finale. Mais malheureusement, au fur et à mesure que la compétition a avancé, on s'est rendu compte que dans l'effectif même des Lions indomptables, il y a eu des égos surdimensionnés qui se sont érigés, où des joueurs n'étaient pas toujours d'accord entre eux déjà et avec les choix du coach, et avec un coach qui avait pris sur lui de gérer l'équipe comme d'un royaume où il n'écoutait personne, où il prenait les décisions unilatérales, tout son staff. Il était complètement en déphasage avec tout son staff. Et du coup, c'est vrai, les journaux n'en ont pas parlé. Il y a eu plein de secrets de la tanière où ils sont allés presque aux mains. Beaucoup de gens ne le savent pas, où certains membres du staff sont allés presque aux mains. Et du coup, il y a eu une désolidarisation totale entre les joueurs au niveau du rendement. Et ça s'est fait ressentir sur le rendement sur le terrain. On part contre la Guinée-Bissau où on gagne 2-0. Après, contre le Bénin, vous avez vu le résultat contre le Bénin, on sort avec Manuel. Et le troisième match contre le Ghana. On n'a pas calculé cette compétition. Oui, contre le Ghana, et ça allait de mal en pire. Et contre le Nigeria, alors, c'est là où il y a eu une catastrophe, c'est vrai. En premier mi-temps du match contre le Nigeria, on a essayé, où des joueurs se sont révoltés, les joueurs ont essayé de jouer. Et en deuxième mi-temps, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que on estime qu'il y a des joueurs qui auraient pu jouer, notamment Zambou Anguissa, qui n'a pas été aligné d'entrée de match, qui a été plutôt entré en deuxième mi-temps, et mécontent du fait qu'il ne soit pas entré, il ne s'est pas donné à cœur joie. Du coup, le manque de motivation nous a coûté cher et on a payé cash. Avec un entraîneur qui était énorme, extrêmement, qui tâtonnait sur ses choix technico-tactiques, parce que des mémoires d'hommes, l'on le sait, tous les entraîneurs et éducateurs vous le diront, on est toujours à la recherche de l'équipe type. Quand on va dans un tournoi, on est à la recherche de l'équipe type, du 11 type qui va faire le tournoi jusqu'à l'arrivée. Mais on a vu un entraîneur qui a essayé plusieurs équipes, où il essayait avec une équipe A, une équipe B, une équipe C, et du coup, tous les joueurs n'avaient pas les marques, du coup, les joueurs n'arrivaient pas à avoir la pleine confiance du jeu. Ça s'est fait ressentir contre le Nigeria, où Mandek, que j'ai souvent critiqué, mais ce jour, c'était son meilleur match. Mais ce jour, c'était son meilleur match. Excellent. Et à ma grande surprise, le coach Sidov se permet de sortir Mandek. Il était dans ce stade il n'était même pas arrivé sur le banc de touche comme on avait déjà encaissé. Exactement. Bah, vous comprenez que au niveau du management, on n'a pas pu. Je pense qu'on a un peu péché. Ça, il faut le reconnaître. On n'a pas pu avoir une mainmise sur le management, sur le plan technico-tactique. Le coach était complètement à côté de la plaque. Donc on a eu raison de le virer. Mais écoutez, vous vous rappelez lors de mon intervention en 2018 dans une chaîne sœur, je l'avais dit déjà, le haut soir de leur nomination, je l'avais dit que c'était une erreur déjà d'avoir pris ce coach
pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il n'allait jamais respecter ce cahier des charges que le ministère avait bien mis sur pied. Et deux, qu'on aurait dû lui donner 4 ans, on aurait dû lui donner 2 ans, l'observer jusqu'à la CAN 2019. Et au cas où les résultats étaient négatifs, on le changeait. Parce que quand vous prenez un coach, il y a l'obligation de résultat qui s'impose. Si vous ne nous apportez pas le résultat, on est bien amené à vous changer. Et Daniel Fissinger, pour chuter, pour parler de l'entraîneur, je dirais, le choix de l'entraîneur, qu'il soit camerounais, qu'il soit expatrié, il faudrait qu'on prenne un monsieur de compétent. On va s'arrêter là, monsieur. Aliou Cissé, c'est Eladji Diouf qui a pris sa main et qui a voir le ministre et dit au ministre, nommez ce mec. Aujourd'hui, le Sénégal est dans le top 20. On a vu Seydou en réunion à l'hôtel Marriott avec Patrick Bouma. Peut-être on va avec là, il y a les Rigo Besson qui sont là. Voilà, t'es bon, vous voir dans beaucoup d'écriture en un mot. En un mot, parce qu'on est déjà pratiquement à la fin de ce programme. Si je ne veux plus parler, je veux dire que pour que la structuration des sélections nationales ait un sens, et je l'ai déjà dit, je me répète encore parce que je ne veux plus parler, il faudrait au préalable bien choisir un entraîneur de football. Je fais mienne toutes les déclarations qu'il a faites là. C'est-à-dire qu'avec, il faut créer un cabinet d'expertise à objet sportif. Et on sait là-dedans que dans ce cabinet-là, ceux qui sont là ont l'expertise pour recruter la qualité. Oui. Il faut des critères, comme je l'ai dit, des critères de sélection des entraîneurs. Bien objectif. Il faut donc créer un comité ou bien une structure de suivi et évaluation des performances et des carrières des joueurs. C'est en ce moment-là que la structuration. Vous ne pouvez pas être U17 en 2000, U19 en 2002 et après vous disparaissez. Ou alors vous parlez... traçabilité. Oui, il y a, c'est ça une structure de suivi. Mais la DTN là pour ça. Non, la DTN ne fait pas son travail. J'espère qu'elle va faire très bien son travail prochain. Hervé Tito, le mot sur ce sujet. On va parler des campagnes africaines pour ressortir. Un mot sur ce sujet. En un mot, c'est pas assez. Un mot. Il y a tellement à dire concernant les sélections nationales. Choisissez surtout... un angle et choisissez je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire Adam Poumier parce qu'il lui a peut-être échappé. Il a parlé de. On aurait pu donner 2 ans de contrat à Clarence Seedorf. Moi, j'ai eu l'honneur d'être de ceux qui ont rédigé les contrats de Clarence Seedorf et on a eu la chance d'avoir d'experts en matière juridique à travers l'ancien président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Appy, accompagné de plusieurs experts en matière technique, juridique, des questions vraiment précises sur des rédactions de contrats avec l'accompagnement du ministère des Sports. Donc, ça s'est vraiment... ça a été une très belle matière grise parce qu'au sortir de là, c'est là où j'ai su qu'il y avait quand même beaucoup de travail qui est fait au Cameroun. C'est qu'il y avait, et c'est ce qui a peut-être échappé à Adam Boumier, c'est qu'il y a eu la mention d'une clause résolutoire. Et c'est quoi le principe d'une clause résolutoire? C'est qu'en cas de manquement à une obligation contractuelle, d'un commun accord, on a un terme au contrat. Et l'une des clauses était la victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Et la clause résolutoire permet de protéger les parties, notamment l'employeur, à se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires. Donc là, j'espère que je crois que là, on s'est sécurisé, comme on dit souvent. Et là, j'étais très heureux de me dire que, waouh, pour une fois, enfin, peut-être pas pour une fois, je ne sais pas comment ça se passait dans le passé, mais là, pour le coup, je me suis dit, le Cameroun, on se met à l'abri et ça, c'est tant mieux. Donc, j'espère peut-être... Même s'il n'y avait pas cette clause résolutoire, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Donc, parce qu'il avait déjà été payé en avance. Le président ne parle pas encore. On a un dernier tour de table. J'espère surtout parce que j'entends souvent dans des discussions ça et là. Mais on a des experts ici. C'est pour ça qu'on parle des choses. Autour de ce panel, oui. On a des experts. Vous avez suivi, vous avez été là. C'est pour ça que vous. Cette clause résolutoire, on a suivi le ministre des Sports sur la chaîne nationale qui en parlait déjà. Donc, nous, du côté de la diaspora, Jean Poumier avec. On suivait avec beaucoup d'intention, avec beaucoup d'intérêt ce que le ministre devait dire. Je n'ai pas terminé. Peut-être peut chuter, oui, rapidement. Mais vous savez, le football, on est tous dans le football et on sait que le football, il y a une grande partie chance. Moi, je vais illustrer mon propos par deux éléments. On parle de Mandjek aujourd'hui, c'est très bien, ok. Si, mais réfléchissons par de manière à l'envers en se disant, si jamais on fait entrer Zambouanguissa, il marque un but, on va jubiler, on ira porter Seedorf en disant c'est le meilleur stratège de l'histoire. Mais il y a aussi une question de choix. Dans ce moment, vous contrôlez le match, Hervé. Vous pouvez choisir de sortir un attaquant pour renforcer parce que vous n'êtes pas en difficulté, vous contrôlez le match. Vous êtes certainement et puis après, technicien, ça va. Vous maîtrisez mieux ces questions-là que moi. Mais de l'autre côté, je vais vous dire une autre chose pour illustrer mon propos. Réfléchissons par l'absurde et disons-nous, sachant d'abord, partant du principe que vous pourrez prendre toutes les mesures possibles en football, ça ne vous garantit aucun résultat. Ça ne vous garantit pas toujours la victoire.
On parle de la question de l'entraîneur. Très bien. Parlons-en des entraîneurs. Allons chercher n'importe quel entraîneur. Le Cameroun est en mesure d'aller chercher n'importe quel entraîneur. Vous voulez qui ? Guardiola, Pep Mourinho. On a la garantie de gagner une Coupe du Monde ? Ma réponse, non. Qu'est-ce qu'il faut faire ? De mon avis, de ma lecture, c'est quoi ? C'est déjà d'assainir l'environnement. C'est ça. Aujourd'hui, on traverse quand même une profonde crise de déontologie, une profonde crise de sens du patriotisme. On a quand même assisté à des scènes surréaliste où on voit une sélection boudée. On ferme la porte au ministre des Sports. Il y a quand même des scènes qui posent beaucoup plus de questions, qui impactent inéluctablement sur l'aspect sportif. Donc voilà. Mettons déjà, et je salue l'initiative, encore une fois, du ministre des Sports cette qui commission. A mis en place cette commission pour réfléchir sur les questions de charte, à la rédaction de cette charte liée à la déontologie, à toutes les questions juridiques. Et je pense que là, ça va déjà donner un pan. C'est pas tout, il faut aller plus loin. Maintenant, ensuite, il faudrait, maintenant on arrive sur l'aspect technique, il faudrait déjà identifier notre style, notre philosophie de jeu. On a connu, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on gagnait... Claude Leroy avait les larmes aux yeux. Exactement, on a eu des Claude Leroy, on a eu des moments où on a remporté des titres avec la manière, parce qu'on avait un plan de jeu, on avait un cap, on avait une philosophie. Et aujourd'hui, je rejoins parce que M. Ateba, lorsqu'il a dit, parlant de la question des compétitivités, on peut choisir n'importe quel joueur. Ok, on peut avoir des joueurs qui jouent dans des top championnats. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas on ne recrée pas ce label Lions Indomptables avec un cap, une vision, une organisation, une structuration, on tombera toujours à l'eau. Et c'est là-dessus, à mon avis, il faudrait travailler de manière particulière et profonde. Je veux parler juste d'un petit... Vous savez pourquoi est-ce qu'on ça marchait avant ? Non. À travers le décret de 75, l'entraîneur national était le directeur technique national. Donc il avait l'obligation de résider au Cameroun. Donc il devait suivre de la base jusqu'au sommet. C'est pourquoi vous voyez que Claude Leroy était à tel endroit, il connaissait le Cameroun. C'est parce que l'entraîneur national était directeur technique national. Voilà qui est bien dit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des patriarches comme vous pour nous rappeler des belles histoires et ces beaux moments. Président Dampoumi, on va ressortir de ce plateau. On parle de la campagne africaine. Le championnat n'a pas démarré, mais dès le 9 prochain, on aura deux de nos plénipotentiaires sur la scène. Et Stade Renard de Mélan et Umes de Loum qui viennent de changer d'entraîneur. On parle de Bertin Boulepousta Renard, on parle de Mbongo Charlemagne pour ce qui est de la formation de UMS. Mais dans cette revue de presse, on a vu le UMS Gate. Est-ce que UMS est le cimetière des entraîneurs camerounais aujourd'hui? Mais écoutez, depuis pratiquement la création de cette équipe, quand vous allez à la fédération pour des problèmes de libération de licence et de paiement, vous vous rendez compte que c'est UMS qui a la une. C'est dommage que les années passent et on recommence avec les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on va pratiquement au week-end du 9 août, on va entrer en pleine campagne africaine. Et contre qui ? Contre le Daring Club Mutamba Pimpé et contre l'AS Vita Club de Kinshasa. Pour moi qui ai séjourné à Kinshasa, vous savez, j'ai travaillé 2 ans pour AS Vita Club comme manager. Je peux vous dire que c'est une tâche extrêmement difficile pour les représentants camerounais. Parce qu'ils vont rencontrer parmi les 3 meilleures équipes de la RD Congo, eux ils sont organisés, eux ils ont préparé leur campagne africaine depuis pratiquement 1 mois et demi. Eux, ils nous attendent d'arrache-pied. Et aujourd'hui, on n'a pas commencé le championnat. Les clubs passent beaucoup plus de temps à avoir des problèmes de paiement, de libération, que de se préparer. Je pense que, une fois de plus, je ne le souhaite pas, mais vraiment, je pense qu'on va. Est-ce qu'on peut garder espoir? Parce que c'est quand même des grosses pointues, le AS Vita Club, c'est des clubs que vous maîtrisez au bout des doigts. Exactement, Vita Club, c'est le dernier finaliste de la Coupe de la Confédération. Daring Club Mutamba Pimpé, c'est un vieux de la vieille, ça fait pratiquement une dizaine d'années, il passe toujours autour, dans les tours de poule. Aujourd'hui, ils vont jouer contre Stade Rennes de Mélan, qui vient à peine de commencer les entraînements, avec UMS de Loum, qui passe beaucoup plus de temps à régler les problèmes de libération, les problèmes des entraîneurs, que de se préparer sur le terrain. Je pense que ça va être difficile, je pense qu'il faut garder l'espoir, c'est vrai, mais l'espoir est très mince. Ça va être très difficile pour les représentants camerounais. Le président Pascal Atangna, il faut redorer le blason. On a perdu facilement 2 places aujourd'hui et on va dire les mêmes côtés. Est-ce qu'on redore le blason sans jouer? La seule solution, il a dit compétitivité, on ne joue pas, vous allez redorer avec quoi? Parce que nous devons redorer en organisant bien les choses. Nous devons redorer, si les enfants ne jouent pas, ça ne vaut pas la peine. Dans un contexte d'instabilité, vous savez, l'organisation part de là. Vous changez d'entraîneur, vous changez de joueur, vous ne jouez pas. Tout ça, ce sont des indicateurs de faiblesse.
Ce sont des indicateurs qui montrent que vous ne pouvez pas aller trop loin. Donc je pense que il y a une mauvaise organisation, il y a une instabilité, il y a un manque de compétitivité qui fait à ce que on puisse douter. On a de bonnes raisons de douter. On a des éléments qui peuvent nous permettre de douter que nous pouvons faire quelque chose par rapport à ceux qui sont organisés et ceux qui sont structurés. Donc, je pense que l'espoir, c'est sur la base de quelque chose. Et on n'a pas cette base-là. Donc, il n'y a pas espoir. La réalité, c'est que nous allons perdre. Non, nous voilà. Nous n'avons pas espoir. Nous n'avons que l'espérance. C'est ça. Oui, c'est vrai. On parle d'espoir, on parle d'espérance, mais le président, lui, pense qu'on doit plutôt avoir l'espérance que l'espoir. On doit rapidement oublier. On voit les entraîneurs qui sont passés. On peut penser au feu coach Adolphe Eke, le président qui est au milieu, Adolphe, le coach Laurent Diam, le coach Nke Dieudonné, il y a le coach Nankam. Ils sont passés dans ce gouffre de UMS de Loum. Une dizaine d'entraîneurs aussitôt. Mais parlons quand même du terrain, Hervé Tchitchol. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose par rapport à. Ce sera dans quelques jours cette sortie en aller-retour, surtout face à ces grosses pointues du football au niveau continental, parce que le Vita Club, nous tous on connaît le Darema Pembe qui est en train de redorer le blason progressivement. Donc comment ça va devoir se passer? Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que lorsqu'on voit les choses, surtout qu'on n'a pas encore démarré avec la compétition ici chez nous? Ça s'annonce très objectivement, ça s'annonce chaotique, on le leur souhaite. On ne sait pas par quel miracle, mais c'est vrai que de manière pratique, ça s'annonce particulièrement chaotique. Moi, je voulais rebondir sur un propos qui me semble quand même assez important. C'est lié à l'organisation, qui est le manque d'organisation parfois. On décrit, on a parlé du football jeune, de l'absence du football jeune, mais je veux dire, où est-ce que on a fait le diagnostic de manière transversale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort de mon point de vue et de mon analyse? Il en ressort quand même quelque chose en filigrane, c'est quand même cette instabilité sur le banc sur les bancs de touche. Au-delà, beaucoup plus haut même. Je parle au niveau de l'organisation. De l'organisation des clubs. La structuration. La structuration, effectivement. Et c'est là où intervient quelque chose qui fait office d'absence quand même dans nos organisations, dans nos structures. C'est le manque de cap, c'est ce manque de projet sportif. On voit très peu de clubs avec des projets, qui est un véritable projet. On a vu quand même au niveau du club de septentrional, le Coton Sport de Garoua, qui a mis sur pied un projet sportif basé sur 8 ans, qui a marché, qui l'a quand même conduit au sommet du football continental. Maintenant, il faudrait, lorsqu'on voit, c'est généralement des performances par à-coup. On a vu Edding, qui a été champion du Cameroun, la saison qui a suivi. Exactement, mais sauf que il y a des clubs dont il faudrait quand même s'inspirer sans sortir de nos frontières. Coton Sport de Garoua, dans son organisation récente, qui a quand même mis sur pied, qui a connu quand même une certaine longévité, une certaine régularité, stabilité au plus haut niveau. Et ça, c'est quelque chose, ça veut dire que ça peut être produit chez nous. Maintenant, il faudrait que cela soit encadré, que cela soit organisé, notamment au-delà de l'aspect sportif, par l'aspect marketing, managérial, organisationnel, etc., etc. On a gardé le meilleur pour la fin. On vous a parlé de cette Académie Best Talent. Talent qui est avec nous depuis ce matin, depuis le début de ce programme. Et il faut quand même découvrir, il faut savoir où l'Académie commence à travailler. L'entraîneur avec nous ce matin pour nous en parler. On peut voir la brochure qui est déjà à notre disposition, qui parle de cette structure, cette Académie Best Talent, le coach Andy Mungi. Bien le bonjour et bienvenue, coach. Merci, merci, c'est un honneur pour moi d'être là. Coach, vous nous parlez un peu en si peu de temps, ça fait combien d'années d'existence? On sait que vous venez d'être inséré dans le conseil des grands après cette assemblée de la FECAFOOT. Comment ça travaille? Quelles sont les catégories? Vous travaillez où et à quelle heure? Oui, Best Talent, c'est une académie neuve qui est née il y a juste 2 ans et qui a lancé ses activités le 1er avril 2017. Et nous travaillons avec toutes les catégories, c'est-à-dire des débutants jusqu'aux juniors. Et l'académie travaille à Olembe, non loin du stade en construction. Donc non loin de nos studios. Ouais. Donc, quelques contacts. Oui, pour plus d'informations, on peut. On sait que vous avez une page Facebook qui tourne à merveille. Oui, oui. Mais quelques contacts quand même pour les responsables. Oui, on a le 690-51-14. 690-51-14. Et un autre contact 673-91-00-84. Et pour cette période vacancière, comment ça se passe?
Oui, on a la clôture de notre année sportive qui a lieu avec un tournoi qui va se jouer sur un mois, qui du 5 août au 25 août. Après, on va donner un mois de repos aux jeunes qui reviendront au mois d'octobre pour le lancement d'une nouvelle année sportive. On y sera véritablement, on va vous accompagner, on va suivre ce tournoi, les équipes de HTV par ma voix. Et à Gabriel Messina, Maïla Kourbina qui sont là, qui vont se donner à cœur joie, comme on a fait avec Semence Olympique et bien d'autres, pour servir nos téléspectateurs. Merci encore de la disponibilité. Est-ce qu'on peut faire un dernier bruit pour vous les jeunes et on va venir clôturer le programme? Infiniment merci Président Pascal Tangna, infiniment merci Hervé Chichol, infiniment merci Valentin Ateba, infiniment merci Président. Je manque Hervé Relais qui a un livre sur le football féminin. Président Pascal, comme message, un dernier mot. Oh, je suis content d'être ici et je remercie tous ceux qui participent de plus ou de loin à la nouvelle génération du football camerounais. Rassurez-vous, il y a un avenir pour notre football. Regardez que même de dehors, tout à l'heure, Valentin disait qu'il ne veut plus entendre parler du football, mais il écrit pour le football, notamment féminin, qui est l'un des enfants pauvres à côté du football jeune. Rassurez-vous, je remercie les gens qui ont ces initiatives. Et d'une manière, avec le cœur, j'ai dit à Poumier que bien, merci de nous avoir représenté en Égypte. Et à Chichol, grand merci Hervé. Hervé, tu sais pourquoi tu dis merci. Tu sais que ça dépend. Merci. Merci, c'est pour cette deuxième saison de votre programme H-Foot. Une grosse équipe est derrière mobilisée. Et peut-être, Hervé, oui, on ne va pas vous refuser cela. Merci. Je voulais rassurer Valentin pour lui dire qu'on a des échos favorables par rapport à son ouvrage. Et je suis très intéressé. Je le lirai avec beaucoup d'intérêt. Voilà qui est bien dit. On dira merci à toutes ces équipes qui se mobilisent pour nous accompagner, pour nous servir. On pense au réalisateur Séverin Ledoux de l'autre côté, à l'ingénieur de son William Kamga, au niveau de la caméra Mathieu Tani et bien d'autres, les reporters Esther Bébeng, Marina Kokvina, Gabriel Messina. Pour moi, je suis fils d'Anel Indiek pour vous servir. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Gardez la H attitude. On se retrouve au prochain numéro pour ce qui sera du 15e numéro de H Foot. Portez-vous bien, bon week-end. Thank you.